camarades, nous voici, on est le 3 juillet 2020. Je suis sorti avec ma petite fille Alexandra, le vendredi c'est notre journée à nous. Donc ce matin, on est allé marcher déjà au-dessus de Monthermé. Alors sur un site qui est magnifique, hein. Alors c'était pas le Roc la Tour, ça s'appelle La Roche à 7h. Donc Alexandra a fait des belles photos, moi pas, hein. Je fais des bouts de films mais les photos c'est pas ça. Mais elle a fait des photos magnifiques, Alexandra. Donc on a fait déjà une heure de marche ce matin, et puis on est redescendu dans Monthermé, et on est parti manger chez nos amis, donc Rose et Quentin. On a mangé des bonnes frites, hein, mon Alex. C'était bien. Ah hein, oui, des bonnes frites. Grosse bouffe était encore à l'œuvre. Ah hein. Bah oui. On cherche pas une affaire qui marche. Hein. Pourquoi? Et cet après-midi, donc on a décidé, d'un commun accord, de faire une seconde promenade, là. Et on est parti donc vers le point culminant des Ardennes, qui s'appelle la Croix-Spaille. Donc c'est un point, c'est le point le plus haut des Ardennes. Hein. Et on va passer côté Belgique, là nous sommes en France actuellement, et je vais emmener Alexandra donc à la Tour du Millénaire, qui est encore bien plus haute que le site lui-même. Hein. Et on va faire une belle balade, enfin... On va marcher, normalement, là, aujourd'hui, ça nous aura fait entre 18 et 20 km au total. Hein. On est parti. On va vous réserver donc des belles photos. Alexandre, hein, pas moi. Hein. Des belles photos de là-haut. Et puis, bah, je ferai un petit bout de film s'il n'y a pas trop de vent, parce que le vent est gênant, j'ai pas de micro extérieur. On est parti, ma chère Alex, pour une bonne balade. C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. Donc, 7 et 7, 14, déjà, les retours. On en a pour un moment. À tout à l'heure. Là, on est au premier étage. De la tour. Quelle tour? La tour Eiffel? Non. La tour de quoi? La tour de contrôle? La tour du millénaire, c'est mais, ça? Ouais, je me souviens plus du nom. Donc nous sommes à la Croix-Spaille, hein, c'est ça Alexandra? Ouais. Combien que t'as vu là? 505 mètres déjà en ouais. bas. Plus? Plus là. Plus là. Donc. Beaucoup. Ah bah. Mon téléphone tombe. Ah, t'as vu voilà. L'appareil photo il tombe, il est mort. Ah, surtout le mien, en mille morceaux. Il y a des vents au cas où. Bon, est-ce que t'es prête, Alexandra, pour le deuxième étage? Attends, je regarde. Alors, ici, comme tu disais, hein, tu m'as dit, il n'y a pas d'ascenseur, c'est pas comme à la Tour Eiffel. Ah, bah oui, on triche pas, nous. On triche pas. Attention, on est parti. Allez, bah là, on a le troisième étage de la tour. Ça bouge, hein, t'as vu? Ouais, ça bouge. Quand il y a du vent, ça bouge. Et ben là, il y a justement un peu de vent et... On a l'impression que ça va se casser la queue. T'es sur un bateau, Alex? Non. Ah, il y a du gîte, hein, t'as vu? Il n'y a pas l'eau en bas. Non, c'est de l'herbe. Vous voyez que mes petits camarades, ma petite fille est retombée en enfance, hein. Voilà que je l'ai emmenée à la plaine de jeu de la Tour du Millénaire. Et là, en train de faire mumuse avec un espèce de, je sais pas quoi, de dragon, je sais pas quoi, c'est quoi ça? Un rhino féroce. Elle l'a dit, un rhino féroce. Ben c'est comme elle est petite, elle n'arrive pas à prononcer bien les mots. C'est plus un rhinocéros, c'est un rhino féroce. C'est ça que t'as dit, Alexandra. T'as quel âge? 4 ans? Je sais pas. Ah, t'as 4 ans, puis c'est tout. Dis-le. Dis-le à la caméra que t'as 4 ans, puis voilà. Hein, tu t'amuses comme une petite folle. J'ai 18 ans et j'assume de jouer avec des jeux de gamin. C'est bien, au moins t'assumes tes conneries, toi. Ouais, j'assume mes conneries. Bon, alors en fait, il n'y a pas moyen de s'en démerder d'Alexandra. Je lui ai proposé de la pâte à sel, mais elle préfère escalader, elle. Voilà. Et je vais le dire à ta mère que t'es pas sage, tu sortiras plus avec papy, hein. T'as compris? Tu fais que des conneries et puis c'est tout. Et ta mère va pas être contente quand elle va savoir que tu m'as pas écouté. Allez, regarde papy avant de descendre. Mais arrête-toi, Alexandra! Mais elle ne s'arrêtera donc jamais, cette gamine-là, nom de Dieu! Oh là 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 là! Aïe aïe aïe! Oh non, non, non! Ah, ça ne s'arrête jamais, jamais, jamais! Bon, on rentre à la maison parce que t'es absolument, mais impossible aujourd'hui! Oh.